sujet qui préoccupait nous toutes sans être émotion. C'est causé insécurité. Groupe armé a taillé mandat sous presque 80% de zone métropolitaine là, et plusieurs autres côtés dans le pays à la Tibonite. Groupe Mounzaïo a créé un environnement anarchie avec la terreur. La vie chaque jour dans Port-au-Prince tourne une bataille pour survivre. Famille a vivre dans un cœur sauté tout le temps. Déplacer libre dans Port-au-Prince, c'est un véritable calvaire. Dans plusieurs quartiers, si moun yo va à l'école encore, business yo, yo ferme porte yo. Et bien l'hôpital ak sante santé, et bien yo abandonné. La rue capitale noire, koun y a tout un champ de bataille, côté un pile innocent perdu la vie yo. Et côté l'espoir, t'as semblé poko prête pour boujane. Groupe criminel za yo, yo pas seulement lage la troubaille dans la vie chaque jour, mais yo affecte l'économie pays à tout. Route commerce bloqué, chaîne d'approvisionnement yo perturbé, et puis investisseurs yo tellement découragé, yo pas intéressé mettre l'argent dans business encore dans pays a. Ça qui lage l'économie pays a en dégrabat. Ça crée plus pauvreté avec chômage et la guerre compatriote nous, deux bras pendiers, sans espoir. Impact humanité à même, c'est pas parlé. En pile milliers de monde qui te caillent pour aller prendre refuge, soit car ils ont mis, ou bien on parent, et surtout nous, ouais, ça, dans une série de abris provisoires qui chargeaient avec monde déjà. Car déjà, utilisé comme une âme pour contrôler communautaire. Femmes actives en particulier, ces victimes principales de crimes. Ils ont souvent kidnappé, violé, et puis forcé à faire ça, ils pas dû faire en bas menant des âmes. Zach Sayo, ils ont quitté mac physique, ak psychologique, qui a duré longtemps, pas seulement sous victimes directes, mais tout sous famille et communauté. Système santé qui était déjà faible vient plaire aux victimes violence ak moun k ap soufri à cause de effet direct tout problème sa yo. Insécurité alimentaire paraît clair ak pourcentage malnutrition k ap augmenter plus tous les jours. Situation tragique ça vient plus grave ak un climat impunité côté justice là paraît un rêve. Corruption avec la Pérez envahit institutions qui fait les vignes plus difficiles pour l'autorité de répondre avec efficacité. La justice a une grosse difficulté pour les appliquer la loi comme ça doit. Situation désastre exige une action immédiate et décisive. Nous ne pouvons pas permettre au groupe armé de continuer à faire le peuple noir en otage ni dans la capitale. Ni dans la Tibonite, ni dans aucun autre côté de la pays. Remettre la sécurité avec l'ordre de Port-au-Prince, c'est une priorité absolue pour l'équipe transition. Azouer, moi, je viens d'annoncer que moi, avec le support du conseil présidentiel, là, pour le mettre en application, il y a un ensemble de mesures concrètes et décisives pour combattre la sécurité et rétablir la paix dans le pays, une fois pour toutes. Initiative ça pour marquer un gros virage dans la bataille nous contre calverse. Et c'est résultat plusieurs semaines de planification avec discussion avec police nationale d'Haïti qui supportée par Kenya, l'armée d'Haïti avec service renseignement à travers pays. Autorité pays jodi a premièrement décréter état d'urgence sécuritaire dans toute commune qui trouvait en bas contrôle gang yo. État d'urgence pour le bail gouvernement, outils et instruments nécessaires pour agir, couper bandits et puis rétablir l'autorité de l'État. 14 communes concernées par mesure ça. Pour qu'on y a, même des populations dans communes qui concernées pour être vigilants et calmes. Conseil sécurité
a vint de temps en temps et gouvernement de gouvernement seulement et à travers les eaux officielles seulement. Dans un moment difficile ça yo, il est important pour nous rester jam unis et puis disciplinés. Collaboration avec engagement nous important en pile pour nous traverser crise ça avec succès et puis rétablir Haïti qui est en sécurité et qui a prospéré. M'a profité dit nous tout pendant m'a saluer gros travail journaliste surtout dans médias sociaux qui couvrir sous qui Jean la police acclamé à protéger population m'a demandé éviter faire reportage qu'a bay bandi information sous position force audio à qui Jean opération a déroulé quitte reportage en direct quitte li pas en direct. Deuxièmement, moi mandé PNH ak support force Kenya yo ak force l'armée d'Haïti pour commencer petit par petit pas déploiement à coopération dans zone que nous ciblons sous base plan que nous établi. Objectif final là, c'est reprendre toute zone sous contrôle gang yo, kay par kay, quartier par quartier et ville par ville. Troisièmement, moi mandé ministre justice là pour faire tout ça possible pour renforcer pressé système judiciaire nous pour nous cap continuer à avancer. Un système judiciaire fort sans force côté mais c'est pour tout mitant n'importe société qui est en sécurité. Nous allons travailler pour renforcer l'indépendance de la justice là pour combattre corruption et pour assurer que chaque citoyen quel que soit le statut lui mais il est égal devant la loi. Pour finir, je vais lancer le jour qui vient là, une campagne nationale sensibilisation sur la sécurité. Chaque citoyen doit se sentir impliqué et responsable pour la sécurité zone. Nous allons encourager la coopération entre la population et la force l'audio parce que c'est ensemble, dans l'unité, que nous pourrons surmonter l'insécurité. Compatriotes, le processus nous commence là, mais il n'est pas facile. Et m'a tout dit, nous, il n'est pas rapide. Moi, je voulais mettre ça clair dans la tête. Nous. Exemple pays dans le Salvador, Colombie, Jamaïque, qui gagne 10 fois plus de ressources que nous. Confirmez-nous que bataille pour mettre un pays dans l'état normal, demande temps et participation toute société. Mais songez tout, que moi toujours dit nous. Haïti n'a pas perdu et Haïti n'a pas perdu la bataille. 1804, mariage de l'âme indigène et la population de Banou indépendance. Mais 2024, ça, nous devons réaliser mariage force Claudio avec la population. Pour libérer Haïti, en bas de toute qualité bandit qui a touillé, violé et puis appauvri malheureuse et malheureux. Moi, je voulais dire nous tout. Côté nous embarquer là, pas rien faire bac. Simon, pas entrer le gendarme. Moment arrivé pour nous reprendre destin pays nous dans main nous. Haïti libre cette nous, te bail à mourir vous lia. Pas seulement pour génération panoua. Chaque génération a une responsabilité devant l'histoire pour le bataille, pour le kembe liberté ça, et puis pour le remettre les mains dans la main by l'autre génération qui a fini, by petit li et by petit petit li. Pour patriote moyo, objectif nous aujourd'hui est clair. C'est pas seulement retourner pays à janté quelques années avant. Mais c'est démarrer une fois pour toutes vers Haïti ça que nous toutes nous rêvons de lire. Et c'est vrai qu'en pile circonstance qui a obligé un pays à demander l'autre pays aide, surtout dans les affaires crise humanitaire, dans la crise sécurité. Mais aucune génération n'a pas de sous-traiter Jean-Li doit bâtir caractère nation, Jean-Li doit mettre en pays où l'État jam qui a bâillé service. Route la voie longue en pile. Pour aller en pile, pèlerin capitaine. En pile, mauvais parole.
en pile fake news pour décourager nous pour laguer sur réseau. Mais moins de quoi que grâce à la détermination, nous toutes n'a réussi quand même. Ensemble, nous pour bâtir Haïti qui pire en sécurité, qui pire juste et qui pire prospère. Bon dernier petit parole pour bandio. J'en ai dit ça déjà. Déposer les âmes nous, reconnaître l'autorité de l'État. Créole balé, créole comprenne. Que grand maître la béni Haïti et puis guidez-nous la mission nord.